c'est sur ma gorge, mais je peux pas le faire. Je peux casser le poignet. Je vais faire comme tout à l'heure. Là il peut pas là, il peut pas le tenir. Il suffit que j'appuie, je casse le poignet. Voilà, bon on a vu à peu près le principal là quoi. Donc la première chose, c'est qu'il faut pas être suicidaire. C'est avec un couteau, d'accord, même si on apprend à prendre quelques rudiments. Quelqu'un avec un couteau en face, il peut vous barrer quoi. Je veux dire, vous êtes très peu chance quand même d'en sortir d'un, à part si vous êtes une ceinture noire d'un art martial. Non, voilà, vous vous barrez quoi. Si vous pouvez vous barrer, ou vous lancez un truc à la tête et vous barrez, enfin bref. Vous restez pas là devant un couteau quoi. Après, voilà, c'est là si on n'a pas le choix, d'accord. On va essayer d'apprendre à voir les principes de base pour essayer d'avoir le plus de chances possible de ressortir indemne, d'accord. C'est pas garanti, c'est clair, on n'est pas ici, on n'est pas des mecs grands maîtres. Même moi là, je fais le cake avec un vrai couteau, mais situation réelle, c'est pas... Ouais, tu vois, enfin, j'en connais pas beaucoup qui font ça quoi, c'est plus t'arrives, c'est plan direct quoi. Mais t'as pas le temps de le voir venir et... Donc voilà, même moi je me barrais si je peux. D'ailleurs le couteau il sera sûrement caché. Ouais, en plus. Et voilà, et je peux rien faire ça. Mais bon. Donc, là je suis à l'intérieur, d'accord. Je suis sorti de la ligne d'attaque. Je peux faire ma technique, je peux rentrer, je peux riposter, je peux faire quelque chose, d'accord. Ou bien la sortie extérieure. Donc pareil, boum, je peux faire quelque chose, d'accord. Mais en aucun cas, on reste devant, qu'est-ce que je fais. Ah, je suis mort. Ok, ouais. Donc on va voir une technique simple déjà pour l'entrée intérieure. Vas-y. Boum. C'est-à-dire on part avec du main. On part bien. Ce qu'il fait, c'est pas. Il faut parer bien avec le tranchant de la main. Mm-hmm. Il suffit que là, s'il veut essayer de m'atteindre, il peut pas. Il monte, il descend, je suis là, je m'adapte à lui, d'accord. Et l'autre main, boum, qui est là pour le déstabiliser. Comme ça, il est surpris, il se relâche, et c'est là que. Hop, je peux faire quelque chose, d'accord. Donc là par exemple je viens là et je le désarme. Le but c'est de le désarmer, d'accord. C'est pas le projeter qui garde le couteau, parce qu'après il revient à l'attaque et on revient au même point, d'accord. Donc je vais montrer la technique. Donc vas-y, toi t'arrives, hop, vise le ventre, d'accord. Ce qu'on fait, c'est on se décale, boum, on part dans un même mouvement, on part et on envoie un coup de poing. D'accord. On va faire que ça pour l'instant. Là, je vais comme ça. Je vais t'approcher normalement. Je ne vais pas approcher comme ça. Tu vas être à bonne distance. C'est à toi, mais... Bouteille d'alcool à côté, tu la mets encore plus sur le côté. Pour après l'utiliser pour ton bilan. Et pour te laisser la place pour le geste. Donc sur le coup, il n'y a pas de suspicion de traumatisme du rachis. Tu sais qu'il n'est pas tombé. Okay, tu t'approches de lui, tu vois qu'il est immobile, qu'il a les yeux fermés. Ce sont des signes de l'inconscience. Là, tu vas lui prendre les deux mains sans lui décoller. Voilà. Et tu vas lui demander... Si tu m'entends, serre-moi la main ou dis-moi quelque chose. Question simple, ordre simple. Il ne réagit pas à ça. On en déduit qu'il est inconscient, puisqu'il est immobile. Il a les yeux fermés, il ne répond pas à une question simple, ni un ordre simple. A partir de là, il va falloir venir lui faire une libération des voies aériennes. Donc, tu vas te mettre en genou, pas ici, sur le côté. Voilà. Alors, d'abord, la tête en position neutre, dans l'axe du corps. Voilà. Une main sur le front. Deux ou trois doigts encrochés sur l'os du menton. Tu vas basculer prudemment sa tête en arrière, en lui ouvrant la bouche. Tu vas regarder à l'intérieur de sa bouche s'il y a quelque chose. Si jamais il y a quelque chose, tu vas lui enlever avec deux doigts. Il n'y a rien. Donc là, tu vas évaluer en simultané sa respiration et son pouls. Avec ta main droite sur le cou, tu te libères, ta main droite, tu te libères. Tu vas venir avec deux ou trois doigts au niveau de sa glotte et après descendre, enfoncer au niveau de ses carotides pour évaluer son pouls. Tu te penches sur lui,
tu entends sa respiration, tu vois ses mouvements respiratoires et tu sens contre ta joue s'il respire, sur 10 secondes au plus. Tu y restes 10 secondes. Là, nous sommes dans la situation où tu as vu et tu as senti qu'il avait une respiration et qu'il avait un pouls. Donc là, la victime, mettons, est inconsciente, a une respiration. Il va falloir la mettre en position latérale de sécurité pour éviter, sur le coup, que la victime puisse encombrer ses voies aériennes avec ses liquides biologiques, notamment, et qu'elle puisse respirer convenablement. Donc, en premier, tu vas replacer ses jambes. Là, tu vas te mettre sur le côté. Toujours contrôler l'articulation supérieure, donc une main sur l'épaule, une main sur le coude. Là, le bras, tu le ramènes plus, donc voilà, à la perpendiculaire. Main sur le coude, voilà, le poignet à 90. Ça marche. Il y a des victimes qui sont plus ou moins souples. C'est son bras gauche, donc c'est ta main gauche qui va venir contre sa main gauche, pomme contre pomme. Tu contrôles avec ta main droite son coude. Non, dans l'autre sens, voilà. Et tu vas lui ramener le dos de sa main contre sa joue, avec les doigts qui touchent par terre. À partir de là, tu vas aller avec ta main droite, en laissant traîner son pied contre le sol, pour éviter de mobiliser sa colonne. Tu te dégages, voilà, pour anticiper la position, ça marche. Ça va faire bras de levier avec son genou, tu vas tirer vers toi, doucement. Vas-y, tire vers toi. Ça suit, c'est bon. À partir de là, avec ta main droite, tu vas venir contrôler le coude pour retirer ta main en dessous, toujours en contact avec la victime. Ta main gauche sur sa hanche. Voilà. Et là, non, derrière son genou, la jambe à 90. Ok, ta main droite, ouais, sur son épaule, tu ouvres la bouche. Et là, tire alerté. Mission accomplie. Bon, quand il y aura des graphiques, je les montrerai. Donc la France, évidemment, on n'a pas ou très peu de pétrole, c'est pour ça qu'on a tout misé sur le nucléaire et qu'on est le pays le plus nucléarisé du monde, par habitant on va dire. Une dette qui est détenue à 70% par les étrangers, donc c'est pas une dette interne. Le Japon par exemple est endetté à 200% de son PIB, mais c'est une dette qui se doit à lui-même, donc ça pose pas de problème vis-à-vis de l'étranger, alors que nous c'est l'inverse. Les sous, on les doit à des étrangers, donc ça peut être les pays arabes producteurs de pétrole, à qui on a acheté du pétrole, ça peut être les Américains, etc. Mais, et si on leur rend pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est beaucoup plus délicat. Dans la mesure où c'est une dette interne, ça veut dire que tu vas pas payer des retraites ou tu vas payer moins de chômage, etc. C'est entre nous, quoi. Mais c'est entre nous. Là, si on rembourse pas... C'est la guerre? Ça peut être la guerre. Historiquement, quand un pays ne rembourse pas ses dettes... Ça déclenche des guerres. Voilà. Bon, cette illustration, vous êtes un petit peu loin, mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que on a d'un côté le baril du pétrole avec lequel on peut se chauffer, s'éclairer, se transporter, et de l'autre côté, je parle même pas du transport, pour une maison, pour avoir l'équivalent d'un baril de pétrole. Puisque toutes les autres énergies elles sont intermittentes, on va avoir une éolienne, on va avoir du solaire, on va avoir peut-être un peu de géothermique, on va avoir de l'hydraulique, en plus il va falloir des batteries, donc il faut tout un système très complexe pour faire l'équivalent d'un truc très simple qu'on a avec le pétrole. Donc c'est facile de comprendre très vite que tout ça, ça va coûter très très cher, beaucoup plus cher que ça. D'accord ? Donc c'est relativement simple de comprendre que les alternatives au pétrole, en fait, il n'y en a pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir à l'âge de pierre, mais de toute manière, il va falloir s'attendre à une grosse décroissance énergétique, parce que sans pétrole, ça veut dire moins de charbon, moins de gaz, et toutes les autres énergies
ça va être beaucoup plus difficile. Et même ça, même des panneaux solaires, il faut quand même les fabriquer, il faut du pétrole pour les fabriquer. Donc tout le monde y passe après, tout le monde doit savoir ranger une corde correctement. C'est à toi après, Lolo. Hein. Tu nous montres après. Je ne sais pas tout ça. Et puis, vous savez, tout ça, c'est comme...